Après les accusations de kidnapping et un long combat, c'est le soulagement pour la famille d'Ashia King. La tumeur au cerveau du petit Britannique de 5 ans est neutralisée. Il a suivi des séances de proton-thérapie à Prague. Le père d'Ashia parle d'une nouvelle incroyable dans le Sun. Le tabloïd britannique affirme que le petit garçon n'a plus de cancer. Les médecins ont quant à eux un discours plus nuancé mais très optimiste. We have to stand firm and say that none of the professionals would ever say, especially in oncology, that somebody is 100% cured. But we certainly hope that this will be the case of Ashia, because we have a lot of experience with treating children with this type of tumor, let alone other cancers as well. There is a high curability, which is around 80%. So, as I said, certainly hope this is a case of Ashia. Les parents d'Ashia voulaient que leur enfant bénéficie d'un traitement moins agressif que celui proposé en Angleterre. En août, ils l'avaient fait sortir clandestinement d'un hôpital anglais et l'avaient emmené en Espagne, où ils ont une maison, déclenchant une chasse à l'homme. Après avoir passé 4 jours en prison, les parents du petit Ashia ont finalement pu le faire soigner en République tchèque. Aujourd'hui, il se rétablit et doit encore faire de la rééducation.